What's going on guys, et bienvenue pour un let's play plus ou moins complet de God of War, le nouveau sur PS4. Et en mode God of War, donc le mode le plus difficile du jeu. Il y a 4 modes de jeu en tout, donc en gros c'est facile, normal, difficile. Et après il y a extrême God of War, on peut pas changer la difficulté dans ce mode là. C'est extrêmement dur, les ennemis peuvent monter de niveau, se buffer, etc. En tout cas, vous verrez ça. Je fais strictement le run, en fait, le let's play sur Twitch. Donc voilà, si vous voulez venir et parler pendant que je joue, etc. Vous savez comment ça se passe, hein, les liens sont dans la description. En tout cas, pour les vidéos que je remets sur YouTube, je vais couper énormément de morts, en fait, parce qu'il y a pas mal de morts en mode God of War, je dois avouer. Des fois, ça m'a pris genre une heure pour passer un endroit. Parce que voilà, les ennemis étaient extrêmement élevés, extrêmement durs. Voilà. En tout cas, je pense que ça sera tout pour l'intro. Donc voilà, un let's play. Je vais essayer de poster les vidéos le plus possible. Mais bon, voilà, il me faut un peu de temps à chaque fois entre streamer et éditer les vidéos et les poster sur YouTube. Mais en tout cas, je vais essayer d'en poster le plus possible. En tout cas, si vous voulez suivre encore une fois l'aventure en direct, pour pas regarder hein, les indications pour ma chaîne de Twitch et voilà. En tout cas, ce sera tout. Merci beaucoup, j'espère que vous aimerez. Ce jeu est magnifique, vraiment un très très bon jeu. Je pense le meilleur jeu de l'année. Après, il y a peut-être un autre jeu qui va arriver, c'est Red Dead Redemption 2. Ça pourrait être le deuxième jeu de l'année, on va dire. Mais en tout cas, God of War est vraiment une perle. J'en suis très 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 content et très satisfait. Voilà. Bon visionnage. Votre God of War s'adresse aux joueurs qui veulent un niveau de difficulté extrême et joignent des réflexes dignes d'un dieu et un bon sens de la stratégie. Alors, ces difficultés peuvent être modifiées en cours de partie pour modifier démarrer une nouvelle partie. Ah. Ah. J'ai envie de me lancer dans God of War directement. C'est un peu le nom du jeu. C'est un peu le nom du jeu quand même. Ouais. De toute façon, je recommencerai au pire. Si jamais c'est trop la merde. On verra. J'espère que la VF est bonne par contre. H Léviathan. Ok. Même avec l'âge, il est toujours aussi fort apparemment. Vu que ça parle pas trop. Je connais plus ou moins l'histoire. J'avais déjà vu des vidéos en fait. Des résumés d'histoire. Pour les God of War. Mais... j'en ai trouvé. Je sais pas trop ce qui se passe maintenant. Monte dans le bateau, Atreus. Atreus. Ça va, petit? Tu veux toujours que je l'attache au bateau?
compris. Attache l'arbre géant qui va faire couler le bateau. Atreus. Ils vont tirer. Hein. Ah, ça va, c'est juste un morceau. J'ai cru. Ça suffira. C'est pas l'arbre entier. Les arbres marqués. Descendre la rivière, ça marche. Ouh, cool. Père. Quoi? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Mais il est pas censé avoir une famille, lui. Je crois que les dieux avaient joué un mauvais tour sur lui. Il a fini par tuer sa femme. Et après, il avait été maudit avec les cendres et tout ça. C'est pour ça qu'il est blanc, en fait. Il est couvert de cendres. Et en gros, après, il a voulu se venger et tuer tous les dieux qui lui... Enfin, quelque chose comme ça. Après, il a voulu se venger, quoi. Et il est allé après tous les dieux qui se sont foutus de sa gueule, en gros. Eh ben putain, si c'était aussi facile de récupérer du bois. C'est joli. Des marques de partout. Intéressant. C'était le dernier. C'est qui ça? Voilà que je vois ma mère. J'aurais pu deviner. Voilà que je vois mon père. Ah, il prie. Récite tes prières. Priez, les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Il y a des dessins étranges. Voyez les voilà qui m'appellent. Sur le corps. Voyez les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Peut-être qu'il aime pas les prières, lui. Oh la vache. Elle est prête. Retrouve les tiens. Tu es libre. Nélix. Y a pas de zombies dans le jeu.
certain. Je crois pas. Je suis désolée. Ouais, la connexion, ça va mieux. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Ok, je pense que ça va être comique au début, surtout avec le gosse. Je pense que ça va être assez comique. Tu chasses le cerf. Et il est où ? Où se trouve le cerf ? Pourquoi on fait ça maintenant ? Tu te débrouilles. Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. Ah, je la connais, cette voix. Faudra que je regarde. Ouais, ça va bien, Elix. Et toi, quoi de beau ? Objet trouvé... Alors... Ils ont trouvé ce petit jouet près de la maison, comme ça, je crois que c'est parti d'une collection. Si j'en trouve plusieurs, ils ont peut-être de la valeur. Oh non, des collectifs. Et... Alors. Oh putain, le menu. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Arme. Hache Léviathan, arme puissante offerte à Kratos. Ok. Rapide, puissante. Poignée à hache. Ok, poignée en bois, ça marche. Ok, cool. Gardien de l'exil. Bouclier Fia fabriqué par un grand tailleur de pierre. Jontunheim. J'ai sûrement mal prononcé ça, mais c'est pas grave. Et après, apparemment, on va peut-être avoir un arc. Ok, cool. Bouclier du gardien. Faire présent par sa femme bien aimée pour fêter la nuit de leur rencontre. On va mettre celui-là. Armure. Alors, épaule tissée de l'exil. Ok, c'est tout de l'exil. Défense. On a aussi de la force, rune, défense, vitalité, chance, récupération. C'est quoi, récupération? Réduit le temps de récupération des attaques. Vocation, talisman. On augmente la chance d'activer les atouts. Augmente la santé. Réduit les dégâts reçus. Augmente les dégâts infligés par les attaques runiques. Les dégâts élémentaires. Je découvre Serious Sam 1. Ah, les vieux jeux Doom 1 et 2 du Gnoken, putain. Faudrait aussi que je les fasse un jour, tu vois. Augmente les dégâts infligés par les attaques normales, ok, ça marche. La tenue de deuil de Kratos.
On a un emplacement de d'enchantement. Enchantements peuvent uniquement être placés sur les pièces d'armure et talismans dotés d'emplacements d'enchantement. Ils confèrent des bonus de stats et des atouts uniques. Ok, ça marche. Vous pouvez créer une armure peut fausser jusqu'à 3 emplacements d'enchantement. Symbole de persévérance. Désormais équipé d'un enchantement, vous pouvez trouver d'autres enchantements en explorant le monde ou en achetant des ateliers. Ok, ça marche quoi. Ok. Gantelet du vœu macabre. C'est juste la couleur qui change. Bon, après, il y a des bonnes stats, il y a de la force et tout. En plus, donc ça c'est cool. Je peux pas accéder aux gosses, apparemment pour le moment. Talisman vide pour l'instant, les talismans sont équipés ici. Vous pouvez trouver un exploitant le monde. Ok, ça marche. Alors, compétences. Oh putain! Ok. On verra ça plus tard. Le codex, ressources. Ok. Bon, pour l'instant, je peux rien faire. Allez, on suit le gosse. Pars en éclaireur. Par contre, la caméra, elle est quand même... Bouge pas, gosse. Bouge pas. Je peux accéder aux options. Options... J'avais augmenté avant de commencer le jeu. Ouais, on va laisser. Putain, c'est ouf. Oula, ouf. Ouais, on va laisser comme ça, on va voir. Doom 2, il y a tellement de maps, sans compter des... Enfin... Ouais, il y a aussi un Doom... genre super gore, là. Genre un remake du Doom, du premier Doom. Qu'as-tu trouvé? Des traces, mais pas de serre. Je vais continuer à chercher. Pour regarder autour de vous, options pour accéder aux paramètres de caméra. Ok, ça marche. De l'argent. Attends, tu as raté celle-là. On se rapproche, mais c'est pas un cerf. Tu vois, le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Ta mère t'a bien appris. Oh, un jouet. Ok. C'est pas comme ça qu'on ouvre les coffres. Enfin, fais ce que tu veux. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Bien. Oula. Ta gueule. Maintenant. Par ici, Atreus.
Ah, il est agile, le gamin. Ah. Attends, les traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Franchir un obstacle. Je pensais qu'il allait détruire le tronc. C'est ça, un cerf? Il est coma, quand même, le truc. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Putain. C'est marrant. Tu meurs pas comme ça qu'on ouvre un coffre. Mais fais ce que tu veux. Ouais, PS4. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Écarte-toi. Waouh. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça tue. Le voilà. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant il va se méfier. Putain. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Ah bah c'est Kratos après, hein, c'est... voilà quoi. Ah. Mon arc. Non, tu n'es pas prêt. N'approche pas. Et rien quand tu es rapide, effectivement, tout ça, ça marche. Oh, mais attends. Ah ok. C'est pas la Dark Souls quoi. Je teste un peu le coup. Comme ça. C'est quoi là? Il se remet de la vie, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ciblé. Ok, cool. On esquive, on apprend. Commence. Je crois qu'il se met en super mode quand il fait ça. Il monte de niveau en fait. Il est crevé, hein. C'était peut-être une erreur de se mettre en God of War. C'était une grosse erreur. Donc ça va, hein. ça a l'air drôle, j'aime bien le combat. Ah, derrière moi. Ok. Le combat est vachement cool. Le combat rappelle bien Dark Souls. J'aime bien. J'ai pas des... Ah oui, j'ai pas regardé si j'avais du soin en fait, des fioles ou des trucs. Allez, où mon Estus? Comment on se remet de la vie? Mon arc. Non, tu n'es pas prêt. N'approche pas. Ah, je peux te faire rebondir sur le sol. Oh, on va rire.
Ok, par contre, faut augmenter la rapidité de la caméra. Parce que sinon... Je veux pas fermer ta gueule, tu vois pas que je combat. C'est qui le dieu de la guerre, c'est moi ou c'est le gosse? Putain, c'est trop raide dans Mortal Kombat, on fait rebondir les gens, on les enchaîne. Pour bloquer, appuyer sur esquive, ok, ça marche, ça j'avais compris, merci. Ok, c'est pas fini, putain, c'est pas fini. Compris. Ok, par contre, il veut pas... Quand tu bloques, il va pas bloquer automatiquement les attaques qui arrivent, par exemple, derrière. C'est réaliste, au moins. Et il y en a combien? Putain de merde. À ta gauche. Oh. Ok. Oh la vache, on va en chier. On va re-essayer quelques fois, puis après on verra God of War plus tard. Enfin, on verra le mode de difficulté plus tard. On va utiliser ça aussi un peu plus souvent. Ça c'est con. Maintenant ils sont tous les deux niveau 2. Est-ce qu'on peut se défendre plus ou moins en faisant plein d'actions en fait? Alors je balance la truc, je me bloque en même temps. J'aime bien, le gameplay est super réactif, ça c'est cool. Là, je suis sûr que quand il est à terre, je peux faire un finishing, mais je sais pas la touche, je sais pas si on peut le faire maintenant. Parce que je suis encore en tutoriel en God of War, c'est un peu con. Difficulté maximum, c'est un peu con, mais bon. Là, il va sûrement passer niveau 2. Mais s'il est seul, ça va.
La hache, il passe à travers quand elle revient, c'est vachement cool. Par contre, je peux plus l'envoyer en l'air quand il est niveau 2, quand il est buffé en fait. C'est intéressant. Fou! Vache. Le gameplay est top. Tu peux le changer à la volée. Quoi, le mode de difficulté? Le mode de difficulté, il y en a 4. Il y a facile, normal, difficile. Des drogards. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Et. Avance. Et dieu de la guerre. On peut changer normal, facile, difficile quand on veut dans le menu. Mais quand tu choisis dieu de la guerre, t'es bloqué sur ça. C'est pour ça qu'il faut vite que je m'y fasse. Parce que sinon, on recommence le jeu. Donc ça sera un peu chiant. Le cerf est par là. Ouais, je sais que le cerf est par là. Ferme ta gueule. Ou sinon, on peut te suivre. Voilà, tu fais ce que je dis. Sale mioche. Wow. Ok. Stylé. De rebouffer cinématique. De quoi tu parles, Gull? Le gameplay est énorme pour le moment, par contre. Mais non, on est encore ici. Attention à ne pas tomber. Ça tue. Ça tue. C'est énorme. On peut sprinter? Non. Où est-ce que je suis? Tu crois qu'on a le droit d'être là? J'en sais rien, mais j'y suis. Ce coffre est scellé par la magie runique. Trouvez et désactivez les 3 sceaux pour l'ouvrir. Ah! Ok. Ok. Pomme d'Idune, légendaire. Vous avez collecté un des 3 pommes nécessaires à l'augmentation de votre santé maximale. Oh, cool. Sans nourriture privilégiée des dieux, au total 9 pommes sont cachées dans le monde. Dans les coffres scellés magiques. Dès que vous collectez 3, votre santé maximale augmente. Alright. Alright. Ok. Je pense que le fait que les monstres se buffent et montent de niveau comme ça là, je crois que c'est complètement lié à la difficulté en fait. Je pense pas qu'ils le font. Il est entré dans le vieux temple, mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Je pense pas qu'ils le fassent en facile, normal ou difficile. Mon arc maintenant. Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Ouais, on devrait se rapprocher.
Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Le moment est venu. Ça sent le combat. Merde. Alors, en combat, je sens des ennemis apparaître au-dessus lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos, ça marche. Salut Marcus, bienvenue. Donald 2 pour viser, pour lancer la hache, ça je l'avais appelé, je l'avais appris, je le sais. Ok, je veux juste savoir si on peut faire des finishing en fait, ça c'est pour la vie, ça marche. Youhou! Oh la vache!